On a les pouletots qui sont là. On leur donne tous les matins du maïs. Hein, les petits pouletots? Par contre, ils savent pas manger. Je pense que lui, on va l'appeler Bernard. Et l'autre, comment tu veux l'appeler? Pouletto. Pouletto et Bernard. Voilà. Ah, nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, on va au marché de la Rotonde, qui est au centre de Saint-François. Et ensuite, on va aller à la playa, sûrement. Hein. Ouais, on va aller peaufiner le bronzage à la playa, ou le coup de soleil. Exactement. C'est pas ceux qui étaient sur le bateau hier avec nous? Si. On a croisé des gens qui étaient sur un bateau avec nous hier. C'était gentil. On a terminé le marché, c'est sympa, il y a beaucoup d'épices, de trucs un peu locaux, des fruits, des légumes, des petits vêtements, des bijoux fabriqués main. Donc voilà, c'est cool, c'est pas très grand mais c'est sympa. Là on s'est arrêté, on s'est posé dans un resto. Arrobas café. Bon les gars, ça y est, on est rentré du marché, on a mangé un bon petit burger. C'est trop bon. Et là, on va aller à la plage de la Caravelle. C'est à 25 minutes de Saint-François, à peu près. Apparemment, c'est une des plus belles plages de Guadeloupe. Donc, on verra. Un parking sécurisé ici. 2,50€. Ça ferme à 18h. Au moins, votre voiture est tranquille. Donc, voilà. Vamos. Bah, on est parti pour marcher 700 mètres. Ouais. Avant d'arriver à la plage. Ouais. En plein soleil. Ça éliminera le burger d'avant. Le burger de ce midi. Regardez les gars, on vient de manger un burger juste avant et il a pris un wrap encore alors qu'il a pris un double cheese. Oh Yann, t'as quelque chose à dire? Mais ça on voit hein. De la plage, cette plage elle est incroyable, elle est vraiment magnifique. La plage de la Caravelle, c'est vraiment trop beau. Si vous venez en Guadeloupe, allez-y, c'est vraiment trop beau. C'est juste à côté de Sainte-Anne et si vous résidez à Saint-François, c'est à environ à 25 minutes. Donc ça, c'est pas trop loin et c'est vraiment beau, ça vaut la peine. Là voilà, on va manger. Yann il a préparé des côtes de bœuf, il a fait une petite marinade, il a fait le feu. Bah voilà. Du coup, on se voit demain. Continue les vlogs demain. Je
sais pas encore ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller à la pointe des châteaux pour pouvoir faire voler le drone bien. Que vous ayez des belles images, que vous puissiez profiter un peu de voilà. Des paysages de la Guadeloupe qui sont magnifiques. Voilà. Et le soir, on va peut-être aller manger avec des gens qu'on a croisés sur le bateau. Ils étaient gentils. Donc voilà, à plus les gars. Ciao la team.